Tout le peuple continent est triste. Hé, hey, grand, tu dis quoi? Tout le peuple continent est triste. Pourquoi? Lorsque j'ai parlé de ce président de l'église de Tinga, vous disiez que je ne l'aime pas. Ah, c'est qui le président de l'église de Tinga? Papa Eto. Oh, hey! Qui est donc le président des églises? Non, ne riez pas encore, on va un peu l'écouter. Tu as frappé fort. Il a fait quoi? Tu as frappé fort. Il a frappé fort en quoi faisant? Je viens d'apprendre que Ngandé a bagarré, il a bagarré. Toi, le chef d'église, tu as bagarré combien de fois à l'équipe nationale? L'histoire que tu engages là. Non, le père, il maîtrise. Continue, grand. Et vous prenez Koulou, c'est parce que sa femme, c'est ta cousine. Tonton Idriss, tu risques de prendre un carton rouge. Moi, à mon avis, quand je vais parler, vous allez dire que c'est Idriss ou c'est parce que moi, à mon avis, même Aboubakar Vincent ne mérite même pas d'être à l'équipe. Quoi? Grand frère, grand frère. Ha! Tonton Jupon, tu entends ça? Carton rouge à l'ancien international Mouamadou Idrissou. Attendez, je bois ma première verre. Je t'ai bien dit que tu risques de prendre un carton rouge. C'est parce que toi, papa, tu fais ton église. Je ne sais même pas ce qu'on te dit d'abord dans ton église à Tchingala, ce que tu fais. Il est très. J'entends. Si j'étais sûr qu'en fumant le mbanga, tous les Camerounais allaient réfléchir comme le général Bassero. Tu allais faire quoi? J'allais me battre corps et sang pour que le mbanga soit légalisé au Cameroun. Quoi? N'importe quoi. Hé, hey, qui est mon grand? Tout va bien dans ta tête? Oui, hey, maman, les... Sa tête ne... Tu es sûr vraiment que ta tête la tient grand? Oui. Ok, vas-y alors. Le général Bassero vous montre la lune. Vous regardez son doigt. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Donc quelqu'un ne peut pas avoir sa position personnelle. Et c'est net comme ça notre continent actuel. Je te dis que... Est-ce que c'est alors normal? Vous savez, lorsque quelque chose concerne Samuel Eto'o, lorsque vous critiquez, on va dire que vous êtes jaloux. Lorsque vous l'adoubez, ou vous êtes sur la même longueur que lui, on dit que vous avez été acheté. Ça, c'est clair. Vraiment, c'est malheureux. Est-ce que c'est alors normal? Ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon, le père. Hé, hey, Idriss. Tout le peuple continent est triste. Ok, tonton Jupon Mingono, pourquoi tu lui as donné tout à l'heure un carton rouge? Il a des problèmes avec Samuel Eto'o. Et il vient faire un direct sans un élément concret. Hé, hey, grand, il a dit quoi? Les Lions Indomptables se sont qualifiés en achetant le match. Il accuse donc Samuel Eto'o. Tu parles de quel match? Le Cameroun a acheté le match de qualification pour la Coupe du Monde pour un international de cette envergure. Et il va beaucoup plus loin pour démontrer qu'au niveau de l'équipe nationale du Cameroun, il y a le favoritisme. Grand frère, grand frère. Oui, vrai, vrai, il a vraiment dérangé. Écoutez encore. Et vous prenez Koulou, c'est parce que sa femme, c'est ta cousine. Comment? Comment ça? Moi, je comprends rien. Tu sors de quelle brousse? Il dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Bah ça, Idriss, c'est quoi ton problème? Ngandé était capitaine, il a marqué beaucoup de buts plus que de défenseurs qui sont là maintenant à l'équipe nationale. Et le problème est où? Il était capitaine. Et vous commencez déjà à faire vos conneries. Je vous avais dit ça 2 mois avant. Vous m'avez dit, ah, Idriss, il est jaloux, il est jaloux. Et maintenant, c'est vous-même, les salopards, les Camerounais, les villageois, les Villatamota Campagna que vous êtes. Et maman, avec tes noyaux qui sortent de ton pantalon. Tête de brune. Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez à ce niveau. Et les enfants sont un peu perturbés parce que le père et la mère ont décidé de se séparer. Mais depuis que tu as fait dans la motivation Facebook, que tu cherches à l'argent comme nous sur Facebook là, tu dis rien de bon. Ah ah, tu n'es que tu dis aussi quoi? Ce qui te intéresse maintenant, c'est les vues, c'est les mains, les vues. Les vues, donc quand ça s'appelle les vues là, c'est bon parce que maintenant tu passes tout. Un père, papa, tu as ça. Dégage là-bas devant moi. 9 mois de souffrance dans mon ventre. Pour devenir ça. Je te dis que 9 mois perdus. 9 mois dans l'eau. Quand tu n'es pas là à l'école, c'est difficile. Ah. Aller à l'école fait du bien. Justement, parlant même de l'école, j'ai le plaisir de vous présenter l'un des meilleurs centres de formation professionnelle actuellement à Yaoundé. Ah bon? Oui, Blessing Business Academy est le seul centre de formation actuellement qui forme et trouve rapidement l'emploi. C'est pas vrai. Je laisse rapidement le promoteur de cette école vous citer les différentes filières. Nous avons décidé de former les gens au poste de chef comptable avec la certification chef comptable où il faut avoir au moins un niveau Bac plus 2. La certification responsable administratif et financier, il faut également un niveau Bac plus 2. Assistant comptable pour les niveaux Bac. Secrétaire comptable probatoire et Bac. Oui, certification expert en fiscalité des PME, il faut un minimum Bac plus 3. Certificat d'expert en gestion administrative et fiscale du personnel,
il faut également un niveau Bac plus 2. Voilà, vous comprenez donc que Blessing Business Academy, ce n'est pas la blague, c'est une réalité. En vrai, Blessing Business Academy est situé à Yaoundé, Emana, derrière Tradex. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Une fois ici, vous serez plus que franco. Contact, c'est nous avons le 695 04 21 19 qui a le WhatsApp, le 611 97 59 00. Ok. Tidengue, tu disais quoi ton père tout à l'heure? Grave frère. Je sens que tu commences à parler de sérieux. On t'écoute. Sérieux. Que vrai voici et toi en face de toi, comme ça tu vas parler ce que tu as arrêté de parler là. Tu n'as rien à réfléchir dans ta tête. Il est très. Tu entends les enfants du pays? Vous êtes même comment là-bas au pays? Bah ça, l'éducation de mes petits frères me dépasse déjà. Ceux qui voyagent, oh, ceux qui sont sur place, oh, ceux qui sont dans les trous à rats, oh, ceux qui n'ont pas mangé, oh, ceux qui ont les poches trouées. Tout le monde se permet de parler, d'insulter celui qui se lève tous les jours et essaye d'éclairer la lanterne des Camerounais. Triste réalité. Pourquoi vous faites ça? Je m'interroge. On veut parler, vous sortez, vous dites wow, 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 wow. Maintenant, vous êtes tous contre la non-sélection de Ngande à la Coupe du Monde. Mon frère, pardon, laisse le dossier là à ce niveau. Idrissou, aidez-moi. Aidez celui-là à faire les bonnes choses. Qui comme ça? C'est président de l'église de Tchinga. Ok, tu attends donc quoi de lui? On veut qui? Il change des choses, mais ce qu'il fait, c'est du n'importe quoi. Vous comprenez dans la compréhension? Ils ont compris, Valérie. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.